Ça va être pas longue lecture, moyenne lecture, parce que la lecture en elle-même est longue, mais je ne voulais pas qu'on lise tout cela. On va lire certains versets, on va sauter et vous allez comprendre l'histoire. C'est une histoire que beaucoup connaissent dans l'Ancien Testament, mais pas tous, parce que souvent ce sont des choses que les gens ne vont pas lire, parce que c'est le livre de Juges. Qui va aller lire le livre de Juges? En plus, ça dit juge. Et comme on vous a dit, vous ne jugerez point et que personne ne veut être jugé, donc ça devient problématique. Amen. Il y avait des enfants d'Israël qu'on appelait les Benjamins qui avaient fait quelque chose d'abject. Ils avaient violé une femme qui appartenait à quelqu'un d'autre et puis tuaient, ils s'en foutaient. Parce qu'à ce moment, Israël était éloigné de Dieu. Et Israël ne faisait plus ce que Dieu voulait. Donc, devine quoi? Et la Bible dit même plusieurs fois qu'il n'y avait personne qui menait en Israël. Donc, chacun faisait ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est de Satan, tous ceux qui sont contre les pasteurs, tous ceux qui sont contre la direction, ça vient de Satan. Amen. Allez dire que c'est le frère Yannick qui a dit ça vient de Satan. Parce que le diable aime ça, que chacun fait comme bon lui semble. Il ne faut pas faire comme ça dans la maison de Dieu. Il faut un dirigeant. Amen. Et donc, regardez ce qui est arrivé dans les dirigeants. Et à cause de cela, Dieu n'était pas content. Donc, tout Israël se réunit pour frapper un de leurs frères, les Benjamites. Et la Bible dit dans Juges, chapitre 20, frère Simplice, passe un peu le micro parce que. Aussi sous toi, frère Ludo, comme ça on va lire à haute voix et rapidement. Pas mais tout à l'heure. Je lis rapidement. Juges chapitre 20 à partir du verset 48. Ça dit ceci. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappaient du tranchant de l'épée. Quand je dis les fils de Benjamin, ce n'est pas Benjamin qu'on voit ici, c'est Benjamin, la tribu d'Israël. Amen. Il ne faut pas confondre. OK. Et ils les frappaient du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail. Et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Donc, ils ont frappé, ils ont tué les Benjamites, ils ont détruit. Parce que les Benjamites ne voulaient pas se repentir, ils avaient mal fait et ils se vantaient de leur mal. Et il y a des gens aujourd'hui qui se vantent de leur mal et que Dieu ne supporte pas, mais Dieu est patient. N'aie pas peur. Si tu fais bien et l'autre fait mal à côté de toi et ça te tord, fais attention. Dieu va juger tôt ou tard. Dieu va répondre tôt ou tard. Amen. Dieu répond. Toujours. Amen. Alléluia. Je continue la lecture. Juges chapitre 20, versets 47 et 48. J'ai même lu seulement le 48 sans aller au 47. Rapidement, le 47 disait ceci. Le 47 disait 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimmon demeuraient là pendant 4 mois. Donc, fait qu'il y avait 600 hommes qui avaient fui. Ils ne savaient pas quand ils ont fui la guerre. Pour éviter de lutter contre leurs frères, peut-être pas l'acheter, je ne sais pas. Ça les a sauvé la vie parce que maintenant, ceux qui sont venus, qui voulaient lutter, faire la guerre contre Israël, ils sont tous morts. Oh, bienvenue à la sœur Maria. Alléluia, on est content. Ça fait longtemps. Alléluia. Donc, ils sont tous morts. Tous. Écoutez, ils ont tué femmes, enfants, tout, 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 tout. Mais sauf les 600 hommes. Amen. Mais ça porte un problème. Tu ne peux pas laisser 600 hommes seuls. C'est dangereux. Amen. Déjà qu'ils sortaient d'un truc abject qu'ils avaient fait. Donc, je continue la lecture. Juges chapitre 21, verset 1 à 3. Ça dit ceci. Les hommes d'Israël avaient juré à Mizpa en disant, écoutez bien. Les hommes d'Israël avaient juré en disant, aucun de nous ne donnera pour femme sa fille à un Benjamite. Donc, ça dit que si quelqu'un était fâché contre Benjamin, dit, tu ne vas jamais épouser ma fille. Bon, contre un Benjamite. Vois un peu, c'est qu'ils se sont fâchés dans leur colère. Donc, étant donné qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient pour détruire Benjamin, la tribu de Benjamin, ils savaient que puisqu'on va les tuer, on ne va jamais leur donner leur fille. Mais ils n'avaient pas prévu qu'il y avait 600 personnes qui allaient vivre. Mais même ceux-là, ils devaient les tuer, mais ils ont eu pitié. Regardez. Le peuple vint à Bethel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevaient la voix et ils versaient d'abondantes larmes. Et il dit, parce que même quand tu tues, même si c'est quelqu'un qui a mal fait, il y a toujours cette miséricorde, il y a toujours cette pitié. Donc, tuer n'est pas bon. Amen. Mais souvent, Dieu va permettre que tu tues. Bon, maintenant, non. Nous, c'est la parole de Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Amen. Mais dans l'ancien temps, Dieu allait permettre de tuer pour éradiquer. Parce que tu ne tuais pas, ça devenait plutôt une multiplication du mal. Amen. Je paraphrase vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Ça ne va pas être seulement ce verset. Et, ô éternel Dieu, il dit, ô éternel Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? En l'occurrence, la tribu des Benjamites,
Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, il bâtit là un autel et ils offrirent des holocaustes. Je saute, je vous laisse lire ça plus tard. Je saute jusqu'au verset 7. Le verset 7 dit ceci: que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas le donner de nos filles pour femmes? Vous comprenez le problème? Si on laisse 600 hommes qui représentent les Benjamites ensemble, seuls, ils ne vont pas pouvoir reproduire la famille. Ceux qui n'auraient pas eu de Benjamin, ils allaient mourir, ils allaient vieillir. Là, maintenant, il faut les trouver des femmes. Mais ils ont un problème. Parce que c'est parce qu'ils avaient, vous vous rappelez, Israël, on lui dit, cherchez des femmes juives. Cherchez des soeurs, cherchez des hommes de l'église, les hommes, cherchez des soeurs de l'église. Mais vous allez voir ce que chez nous, on appelle les Nyang et les Njuksa. Les Mami Wata. Quand on dit quelqu'un, demandez à soeur Bibiane et au frère Ludo, quand on appelle une fille Mami Wata, on dit femme de l'eau. C'est pas bon. Amen. À l'église, on n'est pas les mamies Ouattara, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Donc, là, alors, il dit, comment on va faire alors pour les trouver? Ils sont inquiets. Et ils savent que si tu ne trouves pas de bonnes femmes à ces 600 hommes, on est dans les problèmes parce que ce sont des gens qui vont se reproduire encore avec le mal. Ils ne vont pas reprendre à zéro. Donc, ça veut dire que le critère pour trouver ces 600 hommes, ces 600 femmes à ces 600 hommes, ça doit être précis parce qu'on veut reconstruire la nation. Moi, on veut reconstruire la nation sur des bonnes bases. Et on ne veut plus que ce qui est arrivé, qui était abject, à cause des mauvaises femmes, des mauvais enfants, de la méchanceté, arrive à nouveau. Donc, il va falloir contrôler la situation. Ils sont sous pression. Ils peuvent se faire détruire. Mais on a dit, on va vous sauver la vie, mais vous devez vous marier comme il faut. Amen. Je continue. On va s'asseoir tout à l'heure. Là, alors, je vais sauter au verset 12. Je vous laisse lire le reste après parce qu'on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui si on lit tout cela. Quand je saute jusqu'au verset 12, ça me dit ceci. Il trouvait parmi les habitants de Jabès en Galate 4 femmes, 4 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui. Amen. Donc, ils ont trouvé déjà 400. Mais il y a un problème. Ils ont trouvé 400 jeunes filles vierges. Il manque 200. Amen. Donc, il y avait un compte qui ne fonctionnait pas. J'aime Dieu. Cette affaire est arrivée exprès. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas lutté contre eux. Benjamin, qui ne sont pas partis à la guerre, qui ont fait le fier, on les a détruits alors, puisqu'on avait dit qu'on allait les détruire. Maintenant, on a pris les filles qui restaient vierges. Maintenant, oui, c'est bien de n'avoir pas connu d'homme avant le mariage. Amen. Mais pour un apostolique, ce n'est pas seulement ça le critère. Une chez nous, je vous le dis, une fille vierge, c'est une fille qui a arrêté de coucher. C'est-à-dire que si tu t'es repenti et que c'est fini, tu as décidé, Seigneur, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ, j'ai été rempli du Saint-Esprit et j'ai pris un engagement. Chez nous, c'est considéré comme la virginité, même dans la Bible. Amen. Parce que les gens pensent que, ah non, non, si tu as un passé, mais que tu regrettes ton passé et que tu t'es repenti, tu es considéré vierge. On a beaucoup de sœurs qui sont mariées, qui avouent qu'ils ont eu des relations dans le temps, qu'ils ont eu des copains, des copines, qui ont même été dans des situations qu'il ne faut pas. Mais nous avons un Dieu qui te sort des situations qu'il ne faut pas pour te mettre dans la situation qu'il faut. Amen. Donc, fait que ne voyez pas ça là comme pour vous mettre la pression. Bon, maintenant, quand on continue alors, je vais sauter, je vais juste au verset 15. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin. Oui, ils ont mal fait. Oui, ils ont tué, mais ils ont quand même mal parce qu'ils ont tué leur frère. Il y a quelqu'un qui manque. C'est comme si quelqu'un fait du mal. Il y a des gens qui vous ont fait du mal, même dans l'église. Mais parfois, quand tu les punis ou quand le pasteur le punit, que tu veux ou non, ça te fait quand même quelque chose. Tu as pitié, tu as de la compassion. En fait, ça vient de Dieu. C'est pour montrer à quel point Dieu aime. C'est-à-dire que si tu es dans le péché, Dieu veut te dire qu'il t'aime, il veut te sortir de ce péché, mais il faut que tu acceptes la compassion de Dieu parce que dans sa compassion, il y a aussi sa justice. Total, il faut qu'il punisse. C'est Dieu. Donc, fait que, sachez que Dieu reste Dieu, il ne change pas. Amen. On continue. Et donc, il se pouvait du repentir au sujet de Benjamin car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de Samé disent que, je continue, les anciens de l'assemblée disent que ferons-nous procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites. Et il dit que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Conserver l'héritage, la culture juive, les habillements, le style, l'éducation des enfants. Nous avons un héritage à conserver, la doctrine, l'unicité, le nom de Jésus, la consécration dans ce monde pécheur, la façon de se comporter, la façon de parler. Et nous avons des belles choses que nos pasteurs, nos dirigeants nous ont appris, que Dieu même nous a appris dans la prière. Amen. Il y a un héritage à conserver, donc tu peux parler avec n'importe qui. Je continue. Et donc, ça dit ici que les chapelles la conservent, mais nous ne pouvons pas la donner de nos filles parce qu'ils avaient à jurer. Ils avaient
parler de leur langue. Et je pense que c'est Dieu qui a permis ça, parce que sinon ils allaient aller chercher chacun ce qui fait son affaire. Mais Dieu savait quelque chose. Regardez ici là. Oh, j'aime la Bible. Oh Seigneur, je n'aime pas encore arriver là, je suis excité. Et si leur père ou leur frère viennent... je continue. Puis ils donnaient... Voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Verset 19. Et il dit, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo. Quelqu'un voit ton voisin, tu dis fête de l'Éternel. Parce que les gens, quand ils entendent cette histoire, ils pensent qu'il y avait un party, il y avait un shukin, c'était la boîte de nuit. Non. Amen. Moi, je sais ce que c'est. Quand je commençais, oh Seigneur, merci de m'avoir sauvé de tout ça là. Quand ça a commencé, ok. Bon, donc, il y avait une fête de l'Éternel, c'était louer l'Éternel, louer, amen, louer l'Éternel, Dieu est admirable. Et puis, ça commence, quand c'était chaud, il est bon, amen. C'est pas de... Et même la façon de danser, tu vois que c'est différent, au lieu de faire les choses, je ne sais. Bon, en tout cas, on continue. Et il y a une fête de l'Éternel, ils ont repéré un endroit où on allait trouver des femmes qui était adéquate pour les enfants d'Israël dans une fête de l'Éternel. C'est-à-dire, ça donne un indice à nos frères et nos sœurs. Si tu veux faire du repérage, le repérage spirituel, amen, va à la conférence de district. Alléluia. Moi, je ne manque pas la conférence. J'ai du repérage à faire. Non, j'ai du direct à faire, pardon. Maintenant, donc, et puis, il donnait... Et il dit, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route, qui monte de Bethel à Sichem au midi de Lebona. Bon, vous savez, c'est comme si tu prends le GPS, on te dit, voilà, où il y a la fête. Toi-même, tu connais l'église de Saint-Laurent. Même sans GPS, tu peux y arriver. Mais mets quand même le GPS pour éviter l'embouteillage, pour dire que tu es pris, tu arrives en retour au service. Celui qui te repère va plutôt prendre au sérieux. Il va aller dire au pasteur. Donc, maintenant, il dit, puis donner cet ordre au fils de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade. Encore l'embuscade, dans les vignes. Vous regarderez et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser. Sortiront pourquoi? Regarde ton voisin, elles vont sortir pour danser. Et vous sortirez des vignes et vous enlèverez chacune des filles de Silo pour en faire votre femme. Et vous, vous en irez dans le pays de Benjamin. Et ils savent que ça va faire des problèmes parce que les pasteurs ou leurs pères vont faire des problèmes. Ils disent non. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-nous-les car nous avons pris une femme pour chacun. Parce qu'ils savaient comment ils allaient gérer, parce qu'on sait que ce sont des gens qui aimaient naturellement l'Éternel. Ils sont allés faire le repérage dans la fête de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Et pour repérer, étant donné qu'il fallait s'assurer que ce soit une nation qui soit bénie à nouveau, qui reprenne à nouveau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, cherchez celle qui danse. Donc quand tu arrives à l'église ce vendredi, ou toutes les conférences à partir d'aujourd'hui, qu'on te dise, qu'on te dérange, qu'on te traite, tu commences à danser, tu dis, je suis en situation de repérage. Mais les gens sont gênés. C'est pour le Seigneur. Amen. Et on cherchait celle qui dansait. Tu es gêné pour danser pour Dieu. Tu es en train de casser ton point, ton repérage GPS. Tu t'éteins dans la carte. Alors que quand tu bouges, on voit. Amen. Mm-hmm. Donc, là maintenant, c'est ça qu'il fallait choisir. Mais il y a une autre chose. Mince. Je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, maintenant, voici donc le titre de mon message. Une adoration imprévue. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je veux savoir. Frère Saint-Pierre nous a parlé pour lui. On le sait. Amen. Donc, on n'a plus besoin de savoir. C'est un ancien. Il a fait tout. Il a raconté les soirs ici, là, comment même ses amis disent que même toi, là, tu nous as amenés dans le mal. Maintenant, tu nous laisses ici dedans. Amen. Mais il y a des gens que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a des anciens danseurs ou des anciennes danseuses ici? Pas danseuses dans les. Mais danseuses qui aiment danser. Parce qu'il faut qu'on se connaisse. Ah, voilà, la soeur Alicia, je sentais cela. Pour elle, c'était sûr, parce que je connais sa maman. C'est la soeur Stéphanie. La soeur Stéphanie, vous avez vu comment elle danse souvent, là. Et nous, qui l'avait invité? C'était le frère Willy qui a invité la soeur Stéphanie. Et tu penses qu'il l'a invité où? Il se connaissait dans les circuits avec les amis, là, ils allaient toujours faire la fiesta. Donc, c'était... Donc, imagine maman. Amen. Rappelez-vous quand vous dansiez le mieux. Amen. La soeur Bibiana a dit qu'elle danse aussi, hein. C'est qu'elle est souvent tellement calme que je ne sais même pas. Alléluia. Amen. Ça, je veux-tu danser? Danser comment? je veux savoir un peu le style, l'attitude. Parce que je sais qu'il y a des gens qui, quand ils dansent, bon,
peut-être vous ne voyez pas, mais allez voir les vidéos JPN avant. Regardez 2014-2015. Vous allez voir des vidéos. Vous voyez, la sœur Marie, c'est la courir. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. C'est comme si les gens, c'est comme si les gens, ils ont pris la responsabilité entre-temps, ils ont grandi. Je n'ai pas dit qu'un coup plus, mais je veux dire, chacun son truc. Moi, je courais, je cours toujours. Amen. Donc, fait que quand tu la vois courir, tu peux sentir que quand elle va un peu là, bon. C'est, elle et la sœur Alicia, elles sont des latinos. Quand une latina danse en boîte, Seigneur. À qui est ça? Ok, bon, c'était une parenthèse. Ça parle, on dit c'est castellano, c'est chaud. Maintenant, donc là, on a des danseurs. J'ai vu le frère Ange danser. Je ne peux pas vous dire, il y a des gens qui m'ont parlé. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour le frère Ange spécialement. C'est j'aime ça que j'aime dans la prédication. Il y a des choses que j'oublie souvent, c'est là où ça sort. Et je n'ai jamais dit ça à personne. C'est la première chose que je rencontre aujourd'hui. La personne est venue me voir et dit, hé, dont le frère Ange danse comme ça. Frère Saint-Pierre, tu sais quand il m'a dit ça, c'était le jour du mariage du frère Ange. Mon Dieu, quand ils sont rentrés, l'entrée à la réception, là, le gars allait taper mariage sœur Kelly, frère, vous allez voir. Le gars a tué. Ça n'avait pas dit qu'on dit qu'il ne danse pas comme ça. Le gars danse aussi comme ça, le gars, mais comme c'était son mari, il attendait ça depuis. Il a resté avec nous, non? Mince, le célibat allait le tuer. Il a souffert derrière la sœur Kelly. La sœur Kelly, finalement, elle a eu pitié. Elle a dit non. Ce gars-ci, même vraiment, elle a dit oui. Amen. Je dis, quelqu'un est venu me voir après. Il dit que, mais le frère Ange danse. Je ne raconte, je veux pas aller en enfer. Et le frère Ange danse comme ça. Donc, c'est bon. C'est une célébration spirituelle parce que c'est son mariage. Amen. Je te dis, la personne était touchée. Il dit que, mais qu'elle a été bénie. Et il a sorti des pas de danse. C'est là où on connaît le caractère de chacun. Amen. Donc, maintenant, je ne sais pas si le. Je sais que le frère lui peut danser, mais je ne sais pas comment. Moi, je viens de parler de la danse dans le monde. Parce que je veux comprendre pourquoi on danse bien dans le monde. Il y a des gens qui dansent, qui faisaient même le moonwalk, et puis font le moonwalk, qui font tout. Mais ils arrivent à l'église. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen. On est à l'église, je suis bien habillé. Je dois me comporter, attention. Il pense même qu'il a mis le parfum, il a mis le déodorant, il ne faut pas que... Alors qu'il est supposé avoir les cheveux partout, transpirant en sortant. En fait, quand tu viens à l'église, c'est pour sortir, comme si tu t'es dépeigné. Parce que quand tu t'habillais, tu étais en chaud, chaude, pour aller en boîte, pour aller dans la fête, tu sortais comment? Même les gens sortaient mais avec les talons cassés. Maintenant, aujourd'hui, tu penses qu'avoir le talon cassé à l'église, c'est un problème. Pour rien. En tout cas, on va parler aujourd'hui. On va comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Peut-être c'est moi qui ai perdu quelque chose. Amen. Donc, on continue. Donc, on a vu qu'il y avait des danseuses et des danseurs ici. Amen. Donc, ils sont supposés danser. Ah, c'est que le frère Jonathan n'est pas là. Moi, j'aime quand le frère Jonathan est là. Comme ça, je vais poser une question sur sa mère. Si sa mère tourne un peu. Il est direct. Il dit non, 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 non. Il va toujours. Donc, fait que je ne peux pas vivre pour la soeur. Truc. Peut-être la soeur Fabienne, parce que elle semble être un peu plus active que la soeur. Je sais, je voulais un peu calme. Donc, je ne sais pas comment c'est passé en Haïti. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Un an, deux ans, un an. Hein? Il faut qu'on aille dans les annales. Il faut qu'on demande. Il faut qu'on cherche les photos. Prochaine activité spirituelle, je vous là, on va demander les photos de famille. On va voir un peu. Amen. J'avais vu quelques photos, mais donc on dansait. Les gens dansent. Amen. Je suis sûr que la sœur Maria danse. Les Italiens dansent beaucoup. Les Italiens dans les cérémonies. Oh. En tout cas. Donc nous dansions. Mais qu'est-ce qui se passe pour que nous dansions? Pour nous faire plaisir, mais nous ne pouvons pas danser pour faire plaisir à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de chercher à comprendre. Amen. Donc, on a vu que chacun avait son style, chacun avait sa façon de faire. C'est, il y a un que je connais. Lui, il m'a. Un jour, je pense que c'était la dernière conférence, JPN ou la conférence, quoi, là, qu'on avait fait. Et puis, le pasteur Lionel m'a exposé. Il a dit qu'il connaît le pasteur Yannick, que vraiment, s'il danse comme ça, vous ne savez pas comment. Et c'est vrai, quand j'étais dans une boîte là, j'étais un malade. C'était tous les défis ici. Ici, breakdance ici, tout. Et je ne faisais même pas ça. Je ne savais même pas que j'étais en train d'aller en enfer. Maintenant, je danse pour Dieu. Amen. Mais le pasteur Lionel aussi dansait. Quand on voit le pasteur Lionel, il dansait. Hein? Mais c'est sûr que quand on voit son style, il était un peu calme. Il avait une façon de danser quand même, là, style responsable. Donc, fait que si je le vois danser aujourd'hui, je pense qu'il danse même plus aujourd'hui dans l'église que quand il danse en boîte de nuit. Donc, c'est pour ça que j'ai un problème. Je connais le pasteur Lionel. Je l'ai vu en boîte de nuit. Je l'ai vu dans cette situation. Et moi, personnellement, je trouve qu'il danse plus aujourd'hui dans l'église qu'en boîte. Parce qu'en boîte, il était vraiment gêné. Mais s'il danse plus dans l'église, c'est parce qu'il a compris quelque chose. Il a compris qu'il y a quelque chose qu'il faut faire.
que ce n'est pas seulement pour le pasteur Yannis, c'est pour tout le monde. Amen. Et s'il a compris, pourquoi certains comprennent, d'autres ne comprennent pas? On continue. Donc, vous savez, tout le monde a été dans une fête. Qui a été à une fête ici, là? Tout le monde, un party, une fête. Et dans une fête, il y a des caractéristiques. Il faut qu'il y ait la musique. Il faut qu'il y ait l'ambiance, la bonne ambiance. Tu écoutes la musique de fond, là, tu es content. Tu prends ton daiquiri, un petit truc. Bon, aujourd'hui, nous, on prend les jus de pamplemousse, jus d'orange, le vin dans la colisée. Amen. Mais dans les fêtes, dans le temps, tu prenais tout ce que les gens dans les fêtes faisaient. Il faut qu'il y ait la bouffe. Il faut qu'il y ait bien à manger. Il faut qu'il y ait la boisson. Amen. Il y a aussi une chose qu'on n'oublie pas. Il faut qu'il y ait la piste de danse. Tu es allé à quelle fête on va pour ne pas danser? Quand tu arrives à une fête et que la maison est petite, l'une des premières choses que tu regardes, c'est la piste. Tu dis qu'on va danser où? C'est pas ça. Tu veux l'endroit où tu vas te dégourdir. Parce que tu commences à dire que, mais c'est que. Qu'est-ce qu'on disait? On avait l'habitude de dire que, mais c'est quel genre de fête? Ça. Mm-hmm. Donc, il faut qu'il y ait des cadeaux. Donc, tu donnes à la personne qui a la fête veut aussi recevoir des cadeaux. Amen. On va à la fête, on ne veut pas donner des cadeaux à Dieu. On veut que Dieu nous donne encore des cadeaux. On veut. Et il faut qu'il y ait des extras. Parfois, le DJ va faire une musique spéciale ou quelque chose où il y a des annonces ou quelque chose qui se passe. Et ça anime la fête. Mais il y a deux éléments que j'ai trouvés qui sont les plus importants dans une fête qui ne manque jamais. Il y a la bouffe et la boisson. D'un côté, un pack, parce que tu dois manger, tu dois boire. Amen. Mais l'autre côté, il y a la danse. Amen. On peut. Il faut qu'il y ait ces deux-là. Il faut qu'il y ait la nourriture et l'eau, la boire, et puis il faut qu'il y ait la danse. Amen. Et vous savez, l'une des raisons, c'est pourquoi, parce que quand tu vas dans une fête, on prépare des nourritures que tu n'as pas l'habitude de préparer, de voir chez toi, parce qu'on veut attirer les gens, on veut faire plaisir à tout le monde. Amen. Dans une fête, il y a des nourritures rares. Il y a parfois des nourritures que tu connais, mais parfois c'est même des nourritures que tu connais, mais qui ont été faites avec plus d'efforts. On a mis plus d'ingrédients, on a été plus exquis, on a pris plus de temps. Amen. Il y a des boissons. Bon, c'est simple, je dis toujours, on était délivré de là, mais il y a souvent des bouteilles rares qui étaient là. Tu vois un peu, des bouteilles très rares, tu es content. Mais chose que, tu sais, on n'achète que dans les fêtes parce que ça coûte cher. Donc, et puis, il fallait la danse parce que tu veux t'amuser. Tu veux te relaxer parce que tu veux partir, tu as oublié tes soucis. Tu veux partir, tu as bougé, tu partis, tu te sens fatigué, tu vas se m'endormir. Donc, il fallait la danse. Amen. Il fallait que tu te sens relaxé. Et donc, danser bien, ça te donnait plus d'assurance, ça te donnait de la gloire, tu sais. Mais danser aussi, comme pasteur lunaire dans le temps ou d'autres personnes, ça te faisait participer. Il fallait que tu sois de la fête. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'étaient pas trop danseurs, mais qui faisaient quand même, ils faisaient les petits moves. Les petits moves. On les appelait les chasseurs, les petits moves, mais les moves des yeux étaient comme. On les appelait les chasseurs, les carabiniers. Donc, vous riez, mais c'est vrai, on se connaît, on se voit. Amen. Donc, maintenant, il y a une chose, je vois maintenant une ressemblance par rapport à l'Église. La bouffe, c'est comme la parole de Dieu. Amen. La boisson, c'est comme le Saint-Esprit. Amen. Et la danse, c'est comme l'adoration et les louanges. Donc vous avez vu que le diable a toujours voulu confondre ce que Dieu a fait. Pour avoir la joie dans le monde, c'est ça qu'on faisait, on allait dans des fêtes. Mais tu veux avoir la joie, va à l'église. C'est à l'église que tu trouves cette fête. Et c'est pour ça que j'ai toujours des problèmes avec des gens qui disent que non, je peux être à la maison, je peux faire l'église des maisons, j'ai la joie. Ça va faire, déjà, quelqu'un va arriver et dire que où on va danser pour le Seigneur. Il n'y a pas d'espace. C'est un endroit où quelqu'un, sa femme, il fait des choses et la maison est toujours plus impure que l'église. Parce que l'église, il y a toujours cette conscience de tout le monde qu'on dit que c'est la maison de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi. Mais dans ta maison, quand l'église est finie, que tu as fini tu bues, parce qu'on fait des tubis chez nous, on invite des gens. Il y a des choses que tu fais que tu ne peux pas faire à l'église. Donc la maison est beaucoup plus souillée que l'église. Et l'église a un certain niveau de sanctification qu'elle garde constamment tout au long de l'année. Mais il y a des gens qui vont te trouver par A plus B, qui sont très intelligents, qui connaissent l'écriture, qui vont te dire que tu as besoin d'aller à l'église. Tu as besoin d'aller à l'église. Parce que la vraie fête, c'est à l'église. Pourquoi la vraie fête, c'est à l'église? Parce que la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Et c'est là où il y aura la vraie fête, dans la présence de Dieu. La Bible dit que ceux qui vont être enlevés, ce sont ceux seulement que Dieu aura choisi parce qu'ils ont souffert pour Dieu, qui vont être dans cette grande fête. Les noces de l'agneau.
La Bible dit clairement les noces de l'agneau. Les noces, ça fait référence à une fête. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faire partie d'une fête. Donc si tu refuses de faire partie de la fête sur terre, de la fiesta spirituelle de Jésus, comment est-ce que tu vas pouvoir faire partie de la fiesta spirituelle de Jésus au ciel qui va descendre sur la nouvelle terre? Comprenez un peu le principe. Les gens sont en train d'attendre quelque chose qui va descendre, qu'ils ne sont même pas capables de reproduire ici. Alors que Dieu nous donne la reproduction depuis le tabernacle dans le désert, depuis l'église avec les apôtres et encore aujourd'hui. Mais il y a des gens intelligents qui sont capables de ne pas comprendre cela. Donc, on continue. Donc, on sait que, aussi une parenthèse que j'ai oubliée. Aïe, oui, ça c'est bon sens. J'expliquais ça des jeunes aujourd'hui à l'étude. Il y avait 600 personnes qui avaient besoin de femmes, n'est-ce pas? Et puis après, on a trouvé 400. Il manquait combien? Quand ils ont trouvé 200, ils se sont arrêtés. Ils ne sont pas allés chercher plus. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas cherché 1200 femmes pour 600 hommes. On voulait reproduire la tribu de Benjamin. Et on savait que pour le reproduire, il fallait qu'on arrête la polygamie. Il fallait qu'on... Parce qu'il y avait la polygamie dans ce temps. Dans l'ancien temps, ils ont compris. Ils ont cherché 400 femmes, ils ont complété avec 200. On n'a pas cherché moins, on n'a pas cherché 199. Et vous avez vu, et ça, le Seigneur qui a permis ça. Après les 400, ils n'ont pas dit deux hommes pour une femme, parce qu'il y a même ça dans ce monde aujourd'hui. Ils se sont stressés parce qu'ils ont compris que ça ne marche pas avec 600, 400. Il fallait qu'il y ait la parité. Et cette parité, c'était un homme, une femme. Nous sommes loin dans l'Ancien Testament. Mais il y a des gens qui sont super intelligents, qui connaissent Dieu, qui ne sont pas capables de comprendre ça là maintenant. Ça, c'est l'idiotie claire et nette. Ils veulent aller au ciel. On va voir qui va aller au ciel. Même dans l'Ancien Testament, on est comme pas. On veut reproduire une tribu qui est sur le point d'être exterminée. Et pour que ça fonctionne, il faut une femme à chaque homme. C'est pour dire que quand tu permets deux femmes pour chaque homme, c'est parce que la tribu est déjà troublée, c'est parce que les règles sont mises ailleurs. Or, pour pouvoir qu'elles se reproduisent comme il faut, quand tu fais les choses de Dieu comme il faut, ça devient comme il faut avec les âmes qu'on a vues. Mais quand tu ne fais pas comme il faut, c'est pour ça qu'on dit, quand vous voyez Abraham qui a eu plusieurs femmes, ou David, ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord. Ce n'est pas parce que Dieu tolère quelque chose qu'il est d'accord. Maintenant, les gens disent que s'il a toléré dans l'Ancien Testament, il va tolérer dans le Nouveau. Ça, c'est encore la bêtise. Parce que quand tu arrives dans 1 Corinthiens 7, ça dit ceci, que le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son homme. La Bible ne dit pas les corps de l'homme appartient à la femme ou les corps de la femme appartient. Le corps de l'homme, un homme, une femme, un homme, un point, un trait. Il n'y a pas de théologie à voir là-dessus. Amen. C'était une parenthèse. Donc, là on continue. J'essaie d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à partager aujourd'hui. Donc, la danse, quand tu danses, ça stimule les autres. Amen. Quand tu danses, ça motive les autres. Et c'est incroyable ce qui arrive. Vous rappelez, parce que ce message-ci, le Seigneur me l'a donné la semaine passée. Je vous ai dit qu'il y a un message que je ne peux pas depuis longtemps que je veux prêcher. Je n'arrive jamais à le prêcher. Donc la dernière fois, j'avais prêché un autre message, mais c'est comme ça que Dieu fait. Mais je ne savais pas ce qui allait se passer ce dimanche. Ceux qui étaient à l'église ce dimanche soir, à Saint-Laurent, vous avez vu ce qui s'est passé? Non, toi, tu étais à dimanche soir à l'Est. Bon, je te raconte ce qui s'est passé à dimanche soir. Le pasteur Graham avait un message. Il a dit le titre à personne. Il a dit seulement le titre quand il a commencé à prêcher. Amen. Et ce qui se passe, c'est que pendant l'adoration, l'esprit a commencé à bouger. L'esprit a tellement bougé que le pasteur Graham, lui aussi, il a commencé à courir. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu le pasteur Graham courir. Allez voir, je suis l'homme de vidéo. Allez voir la vidéo, le direct qu'on a fait à JPN autour de la 30e minute. Direct service du dimanche, service bilingue du dimanche soir. N'allez pas voir maintenant sous le temps, finissez la prédication, pardon. Vous allez voir. Tu vois un peu. Je check tout parce que je ne comprends pas. Je suis en train de regarder, d'habitude je sais que je cours avec des enfants ou certaines personnes, et je vois le frère Luc qui passe, qui me dépasse, j'ai dit, je sais que le frère Luc loue souvent, mais des fois là, les gens un peu plus âgés, des fois ils vont rester un peu plus loués de leur côté. Après je passe, je vois, et je vois que c'est chaud, d'habitude quand c'est chaud, c'est là où je vais prendre la caméra, quand je prends la caméra, je ne vois pas le pasteur Graham à son objet, que voilà, le pasteur Graham a parti, et le titre de son message c'est « Quand l'esprit bouge ». Dieu lui a donné le titre avant, mais il ne savait pas que l'esprit allait bouger autant. L'esprit bouge toujours, mais l'esprit a beaucoup bougé ce dimanche. Pasteur Graham est parti.
quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il l'adore, mais de son côté, chacun a sa façon de faire, parce que il est peut-être plus style pasteur de nous, pasteur Kaosi. Nous, ce n'est pas parce qu'on nous voit danser qu'on est spéciaux. Chacun a son caractère. Il fait simple et efficace à l'évangélisation. Je n'arrive pas à évangéliser comme lui. Moi, je suis efficace dans l'étude biblique. Lui aussi fait l'étude biblique, mais chacun a son domaine. Amen. Et donc, mais quelqu'un qui est sorti de son confort, il a dit, c'est devenu une apparition inattendue. Et regarde ce que ça a provoqué. Tout un service. Tous les pasteurs ont suivi. Les gens ont suivi. C'était chaud. Allez voir la vidéo. Amen. Donc, là, ce qui se passe ici, c'est que Dieu est donc en train de nous faire comprendre que si tu n'as pas l'habitude de faire cela et que tu le vois quelqu'un faire et que tu commences à le faire, peut-être que Dieu va briser une chaîne dans ta vie ou va briser les chaînes de quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être ce service va finir ou peut-être ce vendredi va finir où on va voir toutes les soeurs d'Oshlaga entre les... On dit, mais qu'est-ce qui se passe à Oshlaga? On dit, c'est le réveil. Alléluia. Je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas qui va partir. Tiens, tu arrives là, en fait, seulement l'annonce n'est même pas finie. Tu vois la sœur Rogine qui détale, Jonathan dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Qui s'en fait là, hein? Qui s'en fait là? Et puis Jonathan, tout le jour avec Samuel, elle voit ce maestro-là qui suit. Attends-moi, attendez-moi. Pam, pam. Ça devient le combat. Vous ne savez, vous voyez comment c'est bizarre ce qu'on dit? C'est parce qu'en fait, le Seigneur, là, il est assis, il attend qu'on lui donne gloire. Il attend des choses inattendues pour se glorifier. Est-ce que quelqu'un ne veut même pas juste donner gloire à Dieu? Est-ce que tu ne veux même pas juste t'humilier? Fais quelque chose où les gens vont dire, non, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu es fou, tu es folle. Mais tu dis, c'est pas grave. Moi, je suis fou pour le Seigneur. Seigneur Jésus. Et donc, et il a fait ça. On a eu tout un service. Et c'est là où, quand je remettais maintenant mes notes du message en truc, je dis, c'est vrai. On a eu un service qui a bougé. Et le titre que le Seigneur m'avait donné depuis la semaine passée, c'était une adoration inattendue. Amen. Vous savez, on a même le cas, je me rappelle, une fois à l'église à Saint-Laurent, c'est les JPN qu'on grandissait encore, c'est dans le temps là où tout le monde était jeune encore, là, moi, pasteur Lionel, pasteur Abou, tout là. Et on avait l'habitude de déjà courir, on courait avec pasteur Abou, frère Abou, on louait le Seigneur. Et un jour, il y a une sœur qui adorait, mais qui n'avait pas l'habitude d'adorer. Et donc, c'est pas du Canada, elle adorait, mais elle n'avait pas l'habitude de, tu sais, faire des choses devant comme nous et tout ça là. Mais ce jour-là, elle était de... Je ne sais pas ce qui se passe. Ou c'est Dieu qui a fait quelque chose. Ou c'est le diable qui l'a défié. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Amen. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter. Mais ce jour-là, quand l'adoration a commencé, on attendait les habituels. Et le frère Saint-Plus ou telle personne a commencé. Mais c'est elle qui est partie en premier. Quand elle est partie en premier, vous savez ce qui s'est passé? Il y avait des frères et des sœurs qui n'avaient pas l'habitude, qui étaient aussi très gênés. Tout le monde a suivi. Ce jour, on a un service explosif. Il n'y a pas eu de prédication. Parce qu'une personne qui n'avait pas l'habitude d'adorer a dit, OK, aujourd'hui, je vais changer les choses. Je suis en train de dire, des fois, tu arrives à l'église, tu attends que telle soeur ou tel frère commence. Toi, tu as le potentiel de changer les choses. En t'humiliant, tu fais monter la gloire de Dieu. En faisant ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu donnes une gloire à Dieu que personne n'est capable de donner parce que toi, c'est toi seul qui as ce potentiel. Donc, quand tu retiens, en fait, tu te retiens. Et quand tu retiens la gloire de Dieu. On est toujours, Seigneur, je vais te donner gloire. Tu es là, il te regarde. Seigneur, je vais te donner gloire. Tu es là. Seigneur, je vais te donner gloire. Mais voilà. Voilà pourquoi il dit à Élie, que fais-tu là? Élie, en train de se plaindre, j'ai tué les prophètes, j'ai fait chevaux. Après, il dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Ah, papa, qu'est-ce que tu fais là? Dieu, en train de te dire, qu'est-ce que tu fais là? Il faut bouger. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, ça m'a rappelé aussi notre anecdote, quand j'étais encore dans le monde. Amen. Parce que quand tu commences à danser, ça motive et ça bouge. Donc, même si tu as le talent, parce que je dis maintenant, il y a des sœurs ici, je sais qu'elles ont le talent de danser. Amen. Je ne vais pas sortir les noms parce que les gens vont me tuer ici. Parce que si tu vois les pichenettes qu'il fait, parce qu'il y a d'autres que, je ne sais pas que je connais, mais j'ai entendu des histoires qu'on m'a dit, je sais que c'est, ça vient des sources sûres. Que quand elle levait le talon comme ça, avant que le talon ne touche le sol, il y avait deux ou trois saltos. C'était... Elle ne peut pas lever le talon dans la présence du Seigneur. Ou elle a peur d'être talonnée, je ne sais pas. Amen. Donc, quand tu commences à mettre ton talent, c'est vrai qu'on est là pour d'abord obéir à Dieu. Mais une fois que tu obéis, que tu es soumis à Dieu, comme nous sommes, maintenant tu as des talents, tu as des capacités. Donne gloire à Dieu. Donc, j'étais arrivé à une joie à Ottawa et c'est ça que... Mes amis et demi, parce que moi j'étais un danseur, j'aimais faire le breakdance. Oh, on allait à Ottawa, on est parti à une fête d'un oncle qui était là-bas, qui est maintenant au Cameroun et tout. Et quand on arrivait là-bas,
C'était nous les jeunes. On aimait ça les jeunes parce qu'on mettait l'ambiance. Amen. Et quand on a commencé à mettre l'ambiance, j'aimais ça venir. On fait des petits. Vous savez ce qu'on appelle les battles. Tu viens, tu fais ton move. L'autre vient son move. L'autre vient tout. Après, tu fais. Ça, c'est pas dans l'église. Hein? Mais dans le monde, c'est comme. Quand l'autre a fini, tu viens comme. L'autre vient. Oh Seigneur, merci de m'avoir délivré de ça. Amen. Donc. Et là, le problème, c'est qu'il y avait un monsieur, lui, il n'était pas jeune adulte, mais plus grand que nous, mais je dirais trentaine, on était comme dans la vingtaine, 22. Mais lui, il a dit que non, il va nous, il dansait bien. Le gars a dit qu'il va nous montrer la danse. C'est un ancien danseur. Le gars danse, les gars dansent, je danse. Un moment, c'était chaud, c'était juste lui et moi. Et le gars dansait, mon frère. Ça a fait que ça a pris toute la salle, tout le monde s'est mis à danser. Ce qui veut dire que oui, Dieu ne met pas l'accent sur le talent. Il met l'accent sur toi, sur ton obéissance. Mais une fois que tu obéis, si tu mets ton talent, tu ajoutes, tu vas provoquer quelque chose. Oui, c'est vrai, le talent n'est pas important. Mais une fois que Dieu a réglé avec toi, tu peux ajouter le talent maintenant. C'est ça le problème, c'est que les gens mettent tellement le talent en avant qu'ils sont brisés et qu'ils tombent. Ce qui veut dire que si tu commences, tu vas provoquer quelque chose pour ceux qui te ressemblent, pour ceux qui te regardent. Amen. Devinez quoi? Est-ce que tu sais que quand tu danses à l'église maintenant, on te regarde? Tu sais ça, non? Et c'est ça qui dérange parce que tu vois tout le monde te regarder. Tu dis comment je vais faire? Est-ce que tu sais que quand tu danses à l'église, on te critique? On t'analyse? Est-ce que tu sais qu'on te juge même? Mais vous savez quoi? Le principal spectateur, c'est qui? C'est Dieu. C'est ce qu'on oublie. Celui que tu regardes, ce n'est pas les autres. Et fait que souvent, cette pensée, oh, si je me lève, si je fais ça, des fois, tu sens l'esprit qui te bouge. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas toi. Tu peux me demander de faire ça. Dieu ne va jamais t'empêcher de l'adorer. Arrêtez. Je suis en train de dire, oh Seigneur, si je peux relâcher. C'est lié au réveil ici à Oshlaga. C'est lié à une grosse réunion de camp aujourd'hui. Je suis en train de dire, écoute, si tu sens le Seigneur qui te pousse, laisse ces 200, 300, 400 000 personnes que tu vas voir pendant le service. Et tu dis, maintenant, moi, je vais monter devant l'Éternel. Je vais lui montrer que, Seigneur, au milieu de tous ces yeux, ce sont tes yeux que je considère. Arrête de dire, on va analyser. Oh, qu'est-ce que tu dis? Après, on va à la maison, on se teste, on va sur WhatsApp. On dit, mais ma soeur, qui t'a donné le courage de faire ça? Le seul spectateur, c'est Dieu. Amen. Frère Ludovic, est-ce que tu peux lire Actes 16, versets 25 et 26, s'il te plaît? Parce que quand tu danses, tu brises des chaînes et des grosses chaînes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. OK. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers. Ils étaient en train d'adorer. Amen. Ils chantaient, louaient le Seigneur. La Bible dit, on a dit louer, pas seulement adorer, on dit chanter des louanges. Donc, louange, ça implique qu'il y avait du mouvement. Donc, ils étaient en train d'adorer. Les gens ont toujours l'intention. Parce que la façon dont c'est dit, et ça fait partie des choses qu'on va aller regarder, le grec et tout. Vous allez voir que l'interprétation dans ce verset, ça montre qu'ils bougeaient. Ce n'est pas juste qu'ils louaient. Ils ne sont pas restés comme ça. Parce que, écoute, si tu es en prison et que tu es prisonnier et que tu es en train d'adorer, c'est comme si tu es triste, en train de te plaindre. Mais eux ne se plaignaient pas. C'est comme les gens les entendent. On dit, mais les gars-là sont fous. Chez nous, quand tu fais quelque chose que tu es fou, alors que tu es mal pris, on t'appelle fingon. C'est que tu es fou. Qu'est-ce que tu fais comme ça, là? Tu es là, on t'a en prison, au lieu de t'être, au lieu même de tuer, tu es en train d'adorer. Donc, ils étaient vraiment en train de dire, Jésus m'aime. Ils se comportaient dans la prison, ils disaient, mais est-ce que les gars-là sont prisonniers ou non? Et Dieu a dit, OK. Dieu a attendu que tout le monde, et il a tué à la minuit, parce que quand tu fais ça à minuit, qu'est-ce que ça fait? Ça réveille les prisonniers, personne n'est plus capable de dormir. Peut-être c'est à vous, moment, les gens étaient prêts à se fâcher, appeler le chef de prison. Monsieur, les gens avaient leurs églises pentecôtistes, ils nous empêchent de dormir, ils font trop de bruit. Ce bruit que tu vas faire à la maison, alors que si tu es à l'église, on peut clarifier ce bruit. Mais il y a des gens qui disent que c'est à la maison qu'il faut adorer. Tu vas faire comment pour gérer le bruit avec les autres? Bon, maintenant, et c'est pour ça que quand tu vas à la mairie, tu peux mettre une église n'importe où, parce qu'il y a ce qu'on appelle le zonage et tout, parce qu'il faut regarder le bruit, il faut regarder tout cela. Amen. Ça, c'est juste un autre détail. Je sais pas pourquoi je suis là-dessus aujourd'hui. Et donc, là. Il faisait du bruit et à 20 minuit, toutes les chaînes sont brisées et la chaîne des prisonniers et la chaîne de ceux qui dansaient. Quand tu danses, quand tu loues le Seigneur, tu es en train de briser des chaînes.
tu es en train de briser des jeunes dans ta famille. Nous sommes en train de prier pour Haïti, pour la situation. Peut-être ça juste commence par la louange. Je ne sais pas, mais peut-être c'est pour ça que Dieu voulait que je passe aujourd'hui. Peut-être pour nous préparer pour un service explosé pour vendredi. Mais quelqu'un doit louer le Seigneur d'une façon impromptue. Amen. D'une façon inattendue. Donc, c'était vraiment inattendu. Regardez les grands hommes de Dieu. Aujourd'hui, même dans l'église, regardez, tout le monde s'est adoré d'une certaine façon, même s'il est simple. On avait le pasteur Graham qui adorait. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai vu courir, mais ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu comme cela. Mais il faut comprendre qu'il est âgé. Il a plus de 70 ans, mon frère. Écoutez, les gens prennent ça pour acquis. Non. Si moi, j'ai 41 ans, lui, il a 70 ans, écoutez, ça fait une grosse différence d'âge. Amen. Ce n'est pas quelqu'un de plus âgé qui va venir danser. Moi, c'est pour ça que ça a bougé toute la salle. Amen. Et peut-être toi, tu vas faire bouger quelqu'un. C'est, je donne des exemples. Vous avez vu, on va parler des gens qui étaient avec nous. Vous avez vu la sœur Karine. Comment? La sœur Karine a été gênée au départ quand elle venait à l'église. Hein? Subitement, tu la voyais quand à Saint-Laurent ailleurs. Elle va devant. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elle avait aussi honte, mais elle a compris quelque chose. Amen. Frère Valérie qui est là, c'est une danseuse. Mais il était gêné aussi. Demande à Frère Simplice. Mais un moment, elle a commencé à débloquer. Regardez, aujourd'hui, il est heureux. C'est ça, je le taquinais la dernière fois. Quelque chose me manque sur lui, c'est que, tu sais, quand je suis à la maison, quand j'entends prier, surtout quand il prie à Lingala, oh, Ozazambe, Izamande, Amamas, ça me manque quand il va partir. Amen. Quand il commence à prier à Lingala, c'est puissant, mon frère. C'est que moi, je me dis souvent quand il prie avec une telle autorité que je me dis que si je suis le démon, mais je vais fuir. Je ne suis pas le démon. Amen. Mais bon, c'est sûr que dernièrement, Simplice, sa prière a un peu changé. C'est des fois, j'entends tout ça, mais subitement, c'est fini, c'est calme, ça devient doux. Je vois qu'il ne dort pas. Allô? Ça devient une prière romantique. Mais ça a commencé par l'adoration. Adore le Seigneur et ta prière va changer. Amen. Oh, pardonnez-moi, silence. Dis-lui que je suis en train de prêcher, donc il faut parler. Et puis quand j'avais ce message-là, ça m'a inspiré parce que j'ai regardé une vidéo de l'adoration. Des fois, je regarde les vidéos moi-même pour motiver parce que je suis souvent très attaqué. Et quelque chose qui m'a béni, c'est j'ai vu dans une des vidéos, il y a le pasteur Dario qui dansait. Lui aussi, il est calme. Il n'est pas comme la soeur Emmanuel. Elle, quand elle danse, elle peut tuer quelqu'un. Amen. Elle aime le Seigneur. Il fallait voir les vidéos d'avant J.Péniel. Maintenant, elle est en scène, ce n'est pas évident souvent. Mais je te dis. Et donc, quand il dansait là, ça m'a béni. J'ai dit, mais je l'ai vu, il enjoy. C'est des fois, tu ne filmes pas, quelqu'un filme pour toi, tu as placé la caméra. Mais c'est quand tu regardes, comme c'est en train de danser, les autres en train de danser, tu le vois, tu dis, wow, il était là-dedans. Ça m'a béni. Amen. Et un autre, je sors seulement les histoires. Amen. Mais ils vont me pardonner. Je m'appelle une fois, il y a une autre soeur là qui avait, pas ce problème, mais c'était la soeur Avia. C'est des fois, on avait des discussions sur oh, il faut faire, il ne faut pas faire ça, il faut se tenir. Mais le Seigneur, nous aimions le Seigneur. Et puis on disait, fais attention, le Seigneur, c'est lui qui décide et tout là. Ce n'est pas qu'elle a un problème, mais des fois, chacun peut donner son avis d'une certaine façon. À un moment, regardez, je vous dis, les vidéos, il y a beaucoup de contenu. Regardez les vidéos 2013, 2014, 2015. Prenez le temps sur l'adoration, surtout quand vous voulez passer du temps. Mais il faut prier. Amen. Quand elle arrivait à l'église, elle voulait juste bouger un peu, elle voulait faire un effort. Demande à lui, il se rappelle. C'est l'esprit qui la portait tout le temps. Chaque fois, il fallait ramasser la soeur à la fin du service. C'est pardonne ma soeur Avia si tu entends ça. Mais moi, quand Dieu dit de prêcher, tu prêches. Amen. Plusieurs fois, souvent, c'est le pasteur, la soeur aujourd'hui qui ont dû la ramasser. Et quand l'esprit la tenait, papa est tombé tout. Après, on lui montrait les vidéos, ce qui s'est passé. Dis, c'est moi ça. On dit, c'est toi. Donc, à un moment, c'est arrivé que. Quand l'église commençait, quand ça chauffait, elle-même, elle allait devant et commençait à adorer. Écoute, Dieu sait comment il fait ces choses. Amen. Dieu sait faire comment. Vous voyez beaucoup d'adorateurs comme ça, là. C'est Dieu. En fait, je veux dire à quelqu'un, Dieu veut te convaincre d'adorer. Surtout quand personne ne va adorer. Ou surtout quand personne ne va en avant. Dieu veut te convaincre que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Les gens, arrêtons de que ce soit les gens. C'est ne laissez pas le temps, frère Yannick, ou à telle personne le descendre. Tu dis non, ça c'est mon tour. Je suis en train de courir vers la bénédiction. La Bible dit que quand Goliath s'est approché de David, la Bible dit, lisez bien dans 1 Samuel, la Bible dit que c'est David qui a couru vers Goliath. Parce que David avait peur que quelqu'un d'autre se mette à aller vers Goliath. Vous savez pourquoi? Parce que David avait su une chose, que dès qu'il a maudit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et qu'il a maudit Israël, il était mort d'office. Donc fait que maintenant David savait une chose, que la seule chose que Dieu cherchait, c'est comment il va le tuer. Si personne allait, Dieu allait le tuer par la foudre ou par quelque chose. David connaissait Dieu.
David savait que dès le moment qu'il a ouvert la bouche contre le peuple, il est mort de fils. Il faut savoir que dès le moment où tu te lèves pour louer le Seigneur, le diable est fini. Mais il ne faut pas que ce soit les mêmes qui le fassent, parce que le diable déjà oppose une opposition pour les adorateurs habituels. Mais pour tuer le diable, pour tuer son domaine, pour tuer son ministère, il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas l'habitude de le faire. Et quand c'est tout cela, ça secoue, le diable ne sait plus où s'arrêter, il ne sait plus où contrôler. Amen. On est en train de se préparer. Quelqu'un va adorer le Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, 2 Samuel 6, versets 13 et 14. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. Ok, c'est bon. Donc, fait que la Bible dit que quand ceux qui servaient l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifiait. Et puis le verset suivant dit que David dansait toute sa force. Il faut comprendre. On va faire une illustration. Bon, on ne va pas appeler les jeunes parce qu'on n'a pas le temps. Mais regarde, tu es en train de porter, mettons que ça c'est l'arche. Tu es en train de porter l'arche et il y a 3-4 personnes qui portent l'arche. Regarde bien, regardez ce que ça veut dire. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dépose l'arche et on sacrifie. Ça va être long ça. Ça va être très long. C'est à ce point qu'on prenait Dieu au sérieux. Et aller voir les sacrifices à l'autel, on ne faisait pas n'importe quoi. On montait l'autel, on ne prenait pas un autel, n'importe quoi. On allait refaire l'autel avec des pieds qui n'ont jamais été taillés. On place et puis on fait le feu et on égorge. Maintenant, il y avait une raison. Et c'est ce que j'ai compris en méditant ce verset. C'est que, comme vous et moi, nous sommes pareils, nous allons dire que, mais c'est trop long, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais si vous regardez avant, dans 2 Samuel 6, verset 2 et 3, on ne va pas lire ça parce qu'on n'a plus le temps. Ils avaient d'abord fait, ils avaient promené l'arche, mais ils avaient mis sur un attelage. Le pasteur y a expliqué ça une fois. Et c'était des bœufs qui étaient des bœufs bien, bien dodus, mais un attelage neuf. Mais c'est parce que Dieu demandait. Parce que l'arche, c'est l'homme. L'homme, la gloire de Dieu doit remplir l'homme. Pas un attelage, pas des bœufs. Amen. C'est pour ça que l'Esprit du Seigneur veut te remplir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu te rapproches. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux l'avoir aujourd'hui. Et donc, l'arche devant remplir l'homme, l'homme avait plutôt fait d'une autre façon. Et c'est pour ça que, comme ils ont mis le bœuf a balancé un moment et quelqu'un a touché, il est mort. Tu es puni, tu te fâches. Si tu écoutais le pasteur, si tu écoutais l'enseignement depuis, tu es toujours en écouter les faux enseignants sur YouTube et partout. C'est pour ça que le malheur t'arrive. Écoute juste ce qu'on t'enseigne depuis. Et quand David a compris cela, là, maintenant, on a tout fait comme il fallait. On a regardé les livres, on s'est rendu compte que pour déplacer la gloire de Dieu, il faut faire ça avec honneur et tout. Et donc, on est parti, on a pris des gens, on a mis des bas et on a commencé à porter l'arche. Et David s'est rendu compte que, wow, si on fait ça tout ce temps-là, on ne va jamais finir. On va arriver peut-être dans 3-4 mois là où il fallait. Et je suis sûr qu'à un moment, il a arrêté, il a dit, OK, comme moi, c'est moi qui ai fait ce truc-là et que je suis le chef et que je ne veux pas que Dieu me frappe comme il a frappé l'autre. Je suis mieux que je m'humilie. Il a dit, OK, avancez l'arche, afin qu'il est en train de se mettre, de se rabaisser pour protéger Israël et pour se protéger lui-même. Quand tu adores le Seigneur de toutes ses forces, la Bible dit que de toutes ses forces, David n'a même pas utilisé toutes ses forces pour tuer Goliath. Il a utilisé une pierre, il a frappé, et puis il a utilisé l'épée de Goliath. Mais on dit de toutes ses forces, ça dit qu'il a utilisé plus que ce qu'il a utilisé pour faire la guerre. Ça dit qu'il était comme, il est devant Dieu. Et tout Israël le voyait. Je pense qu'il y a des sœurs qui vont tuer ici bientôt. Amen. On continue. Et la Bible dit que toujours, verset, il avait compris donc. Il a compris que ce n'était pas seulement une question de si, c'est une question de donner honneur à Dieu. Et on n'avait pas donné cet honneur à Dieu. Souvent, on ne respecte pas l'Esprit du Seigneur. On ne respecte pas la volonté de Dieu. On ne respecte pas la gloire de Dieu. Amen. Il a compris qu'il faut donner cet honneur. Il faut sortir de la routine. Mais la Bible dit dans 2 Samuel 6, verset 16 que Milka, sa femme l'a méprisée. Elle a regardé avec mépris. Et Milka était considérée parce que c'était la fille de Saül. C'était une femme belle, stylée. Et tu vas voir tous les gens qui... Si tu remarques bien, les gens qui te dérangent, qui t'influencent à l'église quand tu ne veux pas adorer, ce sont les gens que tu estimes beaucoup. Quand quelqu'un sait, je ne suis pas en dire qu'il y a des moins chers, mais quand quelqu'un est moins important, moins influent sur toi, tu vas voir, mais tu vas regarder la personne qui peut parler, que ça te dérange. Et donc Milka avait, c'était sa femme. Elle a méprisé, elle dit, hey,
Et quand elle arrive, frère Ludovic, pardon, lis ça rapidement. Lis maintenant le verset 20 au 23. 2 Samuel 6. Ouais, 2 Samuel 6. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Elle était stérile. C'est-à-dire que la personne qui te méprise et qui t'influence, elle est en train de se maudire. Mais toi, tu continues d'être influencé alors que, donc, fait que toi-même, tu perds ta bénédiction. Amen. Ne sois pas gêné à cause de quelqu'un. Arrête de regarder les regards. Commence à regarder les regards de Dieu. Imagine le Seigneur qui te regarde, le seul Dieu sur ton trône. Amen. Et il faut qu'on parle du principe d'humiliation. Rapidement, 1 Roi 21, verset 27 et 29, si tu peux. On veut parler de quelque chose. Je vais vous montrer à quel point Dieu change même la malédiction. Là, on va parler de quelqu'un qui est méchant, qui a fait beaucoup de mal en Israël. Mais malgré le mal qu'il a fait, il s'est humilié. Et souvent, ce qui nous empêche d'adorer le Seigneur, c'est de s'humilier. Il faut que tu te rabaisses. C'est ce que David a fait. Et en faisant cela, ils ont fait tout le voyage sans problème, sans avoir besoin de faire tous les 6 pas. Écoutez, si vous me dites qu'ils ont fait 6 pas jusqu'à Jérusalem, non, je ne pense pas. Je suis ceux qui sont arrêtés, ils ont compris que non. On ne va pas faire 6 pas, mais moi, je vais être celui qui va être humilié. Et n'étant humilié dans le peuple, étant donné qu'il savait que les gens le voyaient, David savait, il a compris que les gens le voyaient. S'il y avait des gens qui étaient orgueilleux, juste le fait de le voir s'humilier, juste le fait de le voir se rabaisser, ils vont se calmer, ils vont dire, ils vont faire profit. Si le roi fait cela, il y a un problème. Et justement, on a eu la mort avant. C'est mieux de respecter les règles de Dieu. C'est mieux de suivre le roi sans problème. Continue, lis, mon frère. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Et tu vas voir que Achab est très mal mort quand même, mais n'empêche que il n'a pas fait venir le malheur, il a fait venir le malheur par la suite. Maintenant, ce que je vais apporter dans ce verset, c'est que Achab venait de tuer Naboth, le champ, pour avoir un champ qui ne lui appartient pas. Mais c'est quelqu'un qui avait un héritage de ses parents. C'était un champ qui ne coûtait pas tellement cher, mais c'était dans une position spéciale. Et l'une des raisons de ce champ, c'est parce que comme c'était un champ avec l'héritage de ses parents, ça avait gardé les règles des Juifs. Là où tu ne défrichais pas la 7e année, tu ne faisais pas rien. Et quand tu faisais cela, le champ était beau. Donc, fait que les plantes et tout cela étaient spéciales et particulières. On n'écrit pas cela, mais tu le comprends, puisqu'il respectait les lois d'Israël. Quand tu respectes les lois apostoliques, le diable voit cela, il convoite. Et comme Achab a vu cela, il a vu ses champs, ses terrains, le champ n'était pas pareil, parce que l'argent ne va rien remplacer par rapport à la gloire de Dieu. Et Achab a convoité cela. Naboth a dit non. Et Achab l'a fait tuer par le mauvais conseil de Jézabel. Et Dieu n'a pas aimé ça, sans compter tout ce qu'il avait tué. Mais Achab qui a tué un innocent, là maintenant Dieu dit, je vais te frapper, je vais faire cela. Regarde ce qu'il fait. Il met le sac, un roi. Ça veut dire que même si tu es mal avec Dieu, je ne sais pas c'est quoi ta condition avec Dieu, si tu acceptes de t'humilier, Dieu va changer ta situation. Quelqu'un qui est méchant, Dieu dit, et regardez, la Bible dit, comme il a lu tout à l'heure, la Bible dit qu'il s'adressa au prophète. Donc il s'adresse au pasteur pour dire, je sais que je l'avais maudit, mais regarde ce que Dieu dit au prophète. Il dit, n'as-tu pas vu comment il s'est humilié? Dieu même veut même convaincre le pasteur qui est fâché contre toi. Dieu veut même qu'on présente l'homme de Dieu ou les gens qui te condamnent, disent, ah, tu as trop péché, tu fais ça, tu résistes à la parole de Dieu. Parce que c'est le cœur. C'est pour ça qu'on dit que le vrai roi, celui qui décide, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Le pasteur, c'est juste un catalyseur. Alors, si tu veux toucher le cœur de Dieu, tu peux le toucher aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui. Peut-être Dieu va te dire de courir, tu vas courir. Peut-être ça va être vendredi, c'est encore plus facile parce qu'il y a des adorateurs déjà là. Mais il faut savoir que ça fait partie. Il faut que quand le district va devenir indépendant, on connaisse le Québec comme le lieu d'adoration du Seigneur, l'église pentecôtiste unie du Seigneur. Que ce soit, c'est ce rôle qu'on a donné au diable, qu'on a enlevé au diable parce qu'il a été Lucifer, qui a déchu, qui est devenu Satan. Que ce rôle nous revienne parce que nous sommes les adorateurs de Dieu.
Nous serons un district de l'adoration, un district qui va louer le Seigneur, un district qui va élever le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, et c'est pas fini. Là maintenant, regardez la femme syrophénicienne, vous connaissez l'histoire. Elle arrive, elle est avec le Seigneur, elle veut que sa fille soit guérie. Le Seigneur dit, non, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. On l'appelle chien, tout le monde connaît cela. Mais elle dit, non, les chiens mangent les miettes. Elle voulait sa guérison. Elle voulait la guérison de sa fille, pardon. Des fois, tu veux la guérison. Ce n'est pas que le Seigneur veut t'humilier. Des fois, il veut savoir à quel point tu es décidé à avoir la bénédiction. Nous sommes en train de prier depuis longtemps pour beaucoup de sujets. Nous sommes en train de prier, de jeûner même, de dire, Seigneur, tu m'as oublié. Alors que ta réponse est juste à côté. Alors que ta réponse est juste dans la présence du Seigneur. Alors que tu peux saisir juste le manteau de Dieu qui est là tout le temps. Qu'est-ce que tu attends? Oh, Seigneur Jésus. Oh, Rababacha. Et je continue. Et donc, Dieu aime les imprévus. Donc, un nombre 5, 25, 26, 6 à 13. Si tu peux lire ça. Un nombre. Oui. Un nombre, pardon. Il n'y a pas un nombre. C'est nombre 25, 26, 6 à 13. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. Ok, c'est bon. Prépare maintenant Luc 21, verset 1 à 4. Maintenant, regardez, quand il a fait cela, parce que les gens, ce qui se passe, c'est qu'Israël, il y avait des lois, il ne fallait pas faire l'adultère. Quand tu fais, tu étais puni de mort, c'était fini. Mais comme ils se sont laissés lousses, là maintenant, les gens péchaient, on laissait, on regardait, on ne faisait rien. Il a dit, non, moi, je ne peux pas laisser cela. Et il a pris, il a percé, il a dit que l'adultère et l'iniquité va sortir d'Israël. Et la Bible dit par la suite, vous pouvez lire, que Dieu a dit, à cause de cela, Phinéas va être béni. Il a béni sa famille, il a béni sa génération. Tu t'humilies et tu donnes le zèle pour le Seigneur, ça va donner la bénédiction. Des fois, on se dit, Seigneur, comment je vais briser cette chaîne? Humilie-toi et donne zèle au Seigneur. Et maintenant, la Bible dit aussi, c'est pas fini, que Dieu a promis à finir beaucoup de choses, beaucoup. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au Shalaga, vous allez voir, parce que si on commence à voir les gens dans l'adultère, dans le péché, dans le monstre, dans l'iniquité, il y en a beaucoup. Ne prends pas une épée, tu vas poignarder les gens, tu dis que le frère Yannick t'a envoyé, pardon. Mais il faut que tu fasses quelque chose de zélé spirituellement parce que Jésus nous a montré le moyen. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Il faut que tu prêches la parole. Et si tu n'arrives pas à prêcher, il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on prêche la parole. Une des choses que tu peux faire que peut-être le diable ne s'attend pas, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux te décider chaque fois que le frère Simplice sort pour évangéliser, je vais accompagner le frère Simplice. Des fois, on se dit, je vous dis, il y a tellement de choses. Vous êtes en train de vous dire qu'il manque beaucoup de choses pour que je travaille pour Dieu. Il y en a beaucoup. C'est juste que ce qui est là, vous ne faites pas avec. Juste sortir, l'accompagner, ça fait, un effet de groupe. L'effet de groupe nous est. Je me rappelle de quelqu'un qui nous avait dit ça, qui nous avait dit que votre affaire là, de J. Peignet là, et qui se peignait que c'est l'effet de groupe. Et c'est vrai, avec notre effet de groupe, quand le pasteur a commencé à nous enseigner, qu'on a grandi, ça a beaucoup joué. Mais j'ai dit, mais ma soeur, tu étais là quand on a commencé, tu étais là quand on était un, deux avec le pasteur, c'était dur, il se promenait pour les donner, il faisait, tu ne sais pas comment on a souffert. Tu étais là quand on était même cinq, quelqu'un est parti, il est revenu à quatre, tu étais là, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais c'est ce que le diable, c'est pour ça qu'il y a autant d'opposition pour nous maintenant. Parce que comme nous sommes en train de grandir, de maturer, plus les gens s'ajoutent, comme vous voyez, ils sont en train d'ajouter, on aura un effet de groupe qui va jouer en notre faveur, après ça va exploser. C'est pour ça qu'il y a autant d'opposition. C'est pour ça que vous dites, est-ce que Oshlaga ça a grandi? Est-ce que ça va arriver? Je vous promets, on a eu la même chose. C'était tellement difficile, mais quand ça a grandi, ça a explosé parce que nous étions déjà prêts et forgés. Mais pour que ça grandisse, il faut que tu fasses quelque chose d'inattendu. Il faut que tu fasses une adoration inattendue qui va toucher le cœur du Seigneur. Amen. Luc 21, verset 1 à 4, c'est la femme qui va donner des offrandes. Tu peux lire? Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, c'est en train de faire une comparaison. Il y a des gens qui ont mis de leur superflu. Amen. Mais elle a mis son nécessaire pour vivre. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que ceux qui avaient beaucoup d'argent qui ont donné, ils ont donné peu par rapport à ce qu'ils avaient. Mais elle a donné peut-être peu
par rapport à ce qu'ils ont donné, mais pour elle, c'était tout. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas en train de regarder si tu es un grand danseur, une grande danseuse. Dieu n'est pas en train de regarder si tu as beaucoup d'argent. Dieu est en train de regarder qu'est-ce que tu peux lui donner. Donne à Dieu ce que tu peux. Essaye quelque chose. Amen. Humilie-toi et donne à Dieu ce que tu peux. Amen. Et envoie Abraham dans Genèse 22, verset 5, qui dit, oh, à ses serviteurs, restez ici parce que moi, je vais l'adorer. Prendre une décision qui sort de l'inhabituel, c'est une adoration au Seigneur. C'est une adoration inattendue. Je suis là pour vous dire, et c'est ce que le Seigneur veut, ce n'est pas seulement le service de vendredi, ce n'est pas seulement le service d'aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui. Il y a des décisions que vous deviez prendre pour sortir de la routine et qui vont vous changer, qui vont changer l'Église et qui vont changer vos familles et vos situations et qui vont commencer à pousser pour vos promesses. Amen. Tu peux lire Daniel 3, verset 6. On finit bientôt. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et ça, c'est Nebuchadnezzar et la statue qu'il a fait. Mais vous voyez comment le diable fonctionne. Le diable, lui, force les gens. Il te force, il ne te donne pas le choix. Mais Dieu ne te force pas, Dieu te donne le choix. Voilà pourquoi, qu'est-ce que Dieu fait? Il touche vos cœurs. Et je sais, parce que je sens la présence du Seigneur fortement, et je sais qu'il touche vos cœurs, parce que c'est la même chose quand le pasteur Kaozi nous enseignait. Souvent, quand le pasteur Graham ou le pasteur Benji prêchait à Saint-Laurent, tu sentais que tu étais convaincu. Ils avaient cette même puissance de conviction de Dieu en eux. Et donc, cette présence est là pour vous convaincre. Dieu n'est pas là pour te forcer, il est là pour te convaincre. Et si Dieu a touché ton cœur, il faut que tu prennes une décision par rapport à cela, parce que quand tu vas sortir du service, le diable va venir te chercher pour enlever cette conviction. Et il faut que tu tiennes cette conviction. Amen. Il faut que tu dises, Seigneur, donne-moi quelque chose, donne-moi une excuse. Fais ce que même quand je veux prendre de l'eau, je tombe. Comme ça, on me voit déjà tomber, puis j'adore une fois. Je ne sais pas. Tu peux prier comme ça à Dieu. Dieu va faire quelque chose. Tu vas lui donner gloire et adoration. Amen. Mais Dieu te laisse choisir. Dieu, il change l'atmosphère. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, je ne sais pas, les gens prêchent cela. L'Église ne va pas subir la tribulation. C'est impossible. Parce que la tribulation suppose qu'on est en train de forcer, de frapper les gens et on t'oblige d'avoir la marque de la bête. Sinon, on te tue. Mais c'est impossible parce que Dieu, comme il laisse le choix, qu'est-ce que fait Dieu fait? Dieu va toujours, c'est sûr qu'il y a des persécutions dans ce temps. C'est sûr qu'il y a des situations. Au Niger, en Égypte, il y a des pays. Même ici, là, tu sais, avec le vaccin, les gens souvent qui ont été sous pression. Mais ce n'est pas la même chose que la grande tribulation. Maintenant, dans la grande tribulation, c'est tchac, on te liquide si on te trouve. Voilà pourquoi on dit fuir dans les montagnes. Nous ne sommes pas en train de fuir dans les montagnes. Et il faut comprendre qu'alors pour l'Église, Dieu va mettre cette atmosphère qui fait à ce que tu as toujours le choix. C'est Dieu qui maintient cette atmosphère parce que Dieu veut que tu le choisisses alors que tu as le choix de le refuser. Mais le diable veut te forcer. Voilà pourquoi dans les banques, tu n'as pas vu, tu appelles au téléphone, on te met en ligne, on te met toutes les chansons mondaines. Ils ne mettent jamais la chanson chrétienne. Tu vas passer 2 heures, 3 heures en ligne, chansons mondaines. Partout, au métro, dans les supermarchés, chansons mondaines. Même rentrer dans l'avion, ce qui veut dire que le diable te force, mais Dieu ne te force pas. Tu vas écouter la bonne chanson, tu vas dans la maison de Dieu. Tu veux écouter la bonne chanson, tu dois sélectionner sur YouTube ou partout pour avoir la bonne musique parce que tout ce qui t'est proposé est toujours abject et mal et mauvais. Mais tu dis, Seigneur, je vais t'adorer. C'est Dieu qui met cette atmosphère pour qu'au-delà de ça, là, alors que tu as le choix de faire l'autre, tu décides de choisir Dieu. Et c'est ça qui donne gloire à Dieu. Parce que si tu es forcé, Dieu ne veut pas te forcer, mais Dieu veut que tu le choisisses. Amen. Et tu peux le choisir par une adoration impromptue. C'est, l'Église ne va pas subir la tribulation. Qu'on ne vous mente pas. Maintenant, là, pour finir avec ça, ça c'est une histoire qui est arrivée récemment, très récemment, moins d'une semaine. Vous avez tous vu la vidéo au Brésil, là où ils ont commencé à servir le diable ouvertement. Nous sommes à la fin des temps. Vous voulez qu'on vous montre comment que nous sommes à la fin des temps? Ils ont commencé à servir le diable, ils montent des statues et tout. Allez voir, c'est partout sur Facebook. Et ils ont fait un décor avec une simulation. Tu sais, j'ai vu des bribes de la vidéo. Quand ça commence, je ne regarde même pas. Je ne vais même pas regarder ça parce que ça m'énerve au plus haut point. Mais la vidéo, ils font une simulation là où un démon est en train de vaincre Jésus. Ça, c'est du blasphème. Et on a vu tous, quelque temps, il y a eu un typhon, il y a eu une grosse inondation qui a frappé le Brésil juste après cela. Mais c'est rien. Mais ça faisait un moment, je faisais une étude publique, toujours comme dit par Zoom, avec des jeunes. Mais il y avait un qui était toujours en train de taguer, qui était toujours en train d'aimer tout ça là. Mais je n'avais jamais, c'est quand il fallait le rencontrer, c'est une fois par semaine, je l'ai rencontré de temps en temps. Mais lui n'était jamais là. Il y a les parents, il y a aussi la motivation, souvent motivé, souvent pas motivé. Je ne peux pas dire exactement. Mais je ne savais pas. Vous savez, Dieu a une façon de faire que tu ne sais pas. Cette vidéo l'a beaucoup touché. Et il a partagé ça dans le chat que nous avons sur iMessage. Il a dit, mais c'est quoi ça?
Donc les gens adorent le diable comme ça. J'ai connu le frère Nick, j'ai le profiter. J'ai dit voilà, les gens ont honte de Dieu et les gens ont honte de Dieu, nous. Mais regarde comment ils n'ont pas honte de leur Dieu. Ça l'a beaucoup marqué. J'ai parlé, j'ai donné les versets. Comment il faut, il ne faut pas avoir honte de Dieu et tout cela. Devinez quoi? Là maintenant, il était ouvert et on a commencé. C'est au lieu de faire toujours ce qu'on appelle la catéchèse sur Zoom. Dans là maintenant, je l'ai inclus avec d'autres. Là maintenant, il fallait que j'ajuste encore. C'est quand j'ouvre des portes, j'ajuste encore mon programme et ça m'a pris de payer beaucoup. Et des souffrances, j'étais tellement attaqué. Je vous dis, j'ai été attaqué. Et souvent, je ne parle pas. Souvent, je vais demander à prier à Frère Saint-Pierre, à d'autres personnes. J'ai même cru que j'allais mourir. Récemment, là. Ben, il y a des choses qu'il faut garder pour tout. Parce que tu sais, parce que ça aussi, ce n'est pas que l'orgueil, c'est que j'ai confiance à Dieu. Je sais que si je suis dans une situation, le diable va te mettre à l'épreuve. Je te dis, j'étais attaqué. J'ai dit, je vais prier. Et là, on a commencé alors. On arrive le jour 1, dans un grand centre. Je ne vais pas vous dire où, parce que ça a créé les problèmes. Un grand, parce que tous ces jeunes-là sont des jeunes bien. Tu vois, ils ne sont pas comme certains de leurs amis qui ont des copines partout. Ils sont consacrés entre 16 et 18 ans. Et ils veulent devenir des plus grands sportifs du Québec bientôt. Et là, on commence. C'était chaud. Les questions. Et quand les gens m'ont vu arriver, parce que beaucoup de leurs me connaissent déjà, ils ont entendu parler de moi. Tu vois comment la table s'est divisée. Chacun allait de son côté, mais les autres sont venus, on allait dans une table. Chacun fait son choix. Amen. Maintenant, la deuxième fois qu'on devait se voir, qui était récemment, on y va. Et puis, je vois un de ses amis qui dit, « Oh, le maître est arrivé. » Pas le maître comme Jésus, mais maître, l'enseignant. Mais il y a d'autres qui sont respectés, mais ils ne veulent pas ça. Tu vois un peu. Et donc, fait qu'après, on parle. Et puis, quelqu'un me dit que quelqu'un nous a stoulé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais récemment, alors, le directeur même du centre, tout là, il est venu me voir et dit, « Mais c'est quoi, mon frère? C'est quoi que tu veux avec mes jeunes ?» Je vous dis, c'est ça que nous avons comme opposition. On a discuté pendant longtemps. Je ne sais pas qui lui a dit quelque chose, mais quelqu'un est parti lui mentir comme quoi je voulais. C'est quelqu'un qui était jaloux parce que tu vas avoir toujours de l'opposition, comme quoi je voulais leur vendre quelque chose. Et comme ce sont des jeunes qui sont très sportifs, parmi les meilleurs du Québec dans leur discipline aujourd'hui, ils pensaient qu'il y a des gens, surtout les Noirs, qui vont vendre des choses pour aider la performance. Et maintenant, quand ça arrive, les jeunes étaient stressés. C'est sûr que là, il y a le zèle et tout, mais c'est une des raisons pour laquelle au départ, l'autre jeune était stressé parce qu'il disait que non, ça va être trop proche. Mais là, maintenant, ils étaient prêts pour que quand il y a la pause, je viens. Et au lieu de parler des filles et de n'importe quoi qui agèpent avec les amis, ils se séparaient, ils viennent, on parle de Dieu, on parle de la création. Surtout qu'à leur école, il y a des débats. Oh, que le Big Bang, je dis le Big Bang, c'est faux parce que le Big Bang est faux. La théorie de Darwin, c'est faux. Amen. On parle. Et quand le monsieur arrive, il était tellement stressé, il dit, non, ne lui dis pas qu'on parlait de Dieu, parce que ça va être encore plus grave. Il dit, mais vous voulez que je mente alors que vous êtes là? Jean nous a dit la vérité. Donc, je calme la chose et tout. Le monsieur était fâché. Finalement, quand je finis, il dit, calmez-vous, laissez, on va tout. Je vais voir le monsieur, on se parle. Il dit, non, moi, je suis religieux, il y a une situation, tout. Mais je n'ai pas exagéré, j'ai été respecté et tout. Il dit, vous faites comme qu'on travaille. J'ai dit, non, je travaille, Puis, j'ai dit que je suis même dans l'ingénierie et tout. Ça l'a calmé. Donc, ça veut dire que quelqu'un avait donné un faux rapport sur moi. Il dit, ben, il faut faire attention. Vous savez que nous sommes aussi responsables d'eux parce que ce qu'ils font, il y a des abus et tout. J'ai dit, non, je sais ça parce qu'on leur apprend que ce n'est pas bon et tout, La chose est bien finie. Mais j'ai dit, je n'ai pas dit que je n'étais pas. J'ai dit que j'étais religieux, qu'on a parlé de religion. Écoutez, mais c'est une porte. Et là, maintenant, je me disais que donc, à cause de cela, c'est fini. Ils ne vont plus vouloir rien savoir. Aujourd'hui, encore, ils m'ont appelé, ils ont dit qu'il faut qu'on reprenne, mais on va reprendre dans un autre local et tout. Et ils sont nombreux à vouloir venir. Je suis en train de vous dire, nous sommes dans ce temps. Depuis le temps, Pasteur Grand, Pasteur Causé, tout le monde vous raconte qu'il y a un réveil. Nous sommes en train de vivre le réveil maintenant. Ça va exploser. Ce que vous voyez qui se fait au Congo, c'est juste un petit détail. Dieu est en train de préparer. Le problème, c'est que Dieu a besoin de pions qui préparent dans chaque endroit. Mais si Dieu est en train de travailler avec le pasteur Pablo, le pasteur Causé là-bas, et qui travaille ici, là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne risque pas d'exploser comme il faut parce qu'il n'arrive pas à travailler avec chacun d'entre nous. C'est pour ça que Jésus devait partir pour que son esprit soit en chacun d'entre nous. Si l'esprit de Jésus est chacun d'entre nous, c'est en train de stimuler chacun pour faire une œuvre. Tu as une œuvre à faire. Il y a une adoration impromptue. Il y a une adoration inattendue que Dieu attend pour élever son nom. Mais tu dois élever le Seigneur. Amen. Il faut que quelqu'un élève le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever et donner gloire à Dieu? Quelqu'un doit élever le nom de Jésus. Moi, j'ai dit que je vais élever le nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. On a dit qu'on allait louer le Seigneur.
on va donc louer le Seigneur une dernière fois avant de partir. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Simplice. Ok. Il est en prière quelque part. Ok. Bon, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce service. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions que tu nous bénisses, que tu bénisses la fin du service, que tu bénisses le moment de fraternité que nous allons avoir, que tu bénisses le repas que nous allons partager, que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen.